Regarde, un deuxième. Je t'avais dit qu'il n'était pas seul. Ah, très bien. On coupe la corde et on l'emmène au campement avec le premier. Une minute. Vous en avez déjà un, les pionniers. Lui, c'est notre prise. Il a été capturé sur notre territoire. Hein? Le filet est à moi. Alors va te faire voir. Qu'est-ce que ton piège foutait sur notre territoire, alors? En plus, t'as déjà le sac à dos d'un intrus. J'ai plongé pour avoir ce sac. Et toi, tu t'es dégonflé. Moi, je me suis dégonflé. Vous êtes des pirates. Vous avez plus de bateaux. Quant à celui-là, il va passer devant le tribunal de la vous forêt. Vous êtes que des lâches. C'est un intrus, un ennemi. T'es un bandit ou quoi? T'as oublié ce qu'a dit le professeur? Il a dit qu'on devait agir différemment. Tu te souviens? Tu prendrais pas un peu la grosse tête? Le professeur a d'abord dit qu'il fallait qu'on se défende. Tout le reste est venu plus tard. T'as oublié ce que les intrus viennent faire ici? C'est un intrus aussi, alors il doit mourir. Sinon, il va en amener d'autres. Ça suffit! Le tribunal de la forêt est prioritaire. C'est lui qui décidera si on tue ou pas. La boîte est explosive! Tu t'en es sorti, fumier. Il faut être doué pour échapper au maître de la forêt. Ça veut dire que t'es dangereux. Bordel, saloperie de sac à dos. J'en voulais trop. J'ai été cupide. Bon, bute-moi ou dégage. Il faut que je me prépare à l'examen final. Dis au professeur que j'ai défendu les miens. Me suis pas dégonflé. Pas embêté. Les filles. Professeur, j'arrive à... Le pirate est peut-être encore en vie. Et Peter, à ton avis, il a reçu un coup du maître. Le maître a eu son rejet aussi. Et au campement, on oublie 6 à tout du temps. Et après, de toute façon, il faut au moins qu'on ramène les corps. Sinon, on nous traitera de l'as. Ouais, allons-y alors. Ouais. J'ai une question quand même. Comment vous avez pu ne pas voir le maître? Il peut se déplacer en silence. Et on était déconcentrés. Un autre intrus s'est fait prendre au piège. Et le jeune s'est emballé et a exigé tout le butin. Au moins les bottes. Un autre intrus? C'est bizarre que le gars n'ait rien dit. Il ne soit même pas venu avec nous. Enfin bon. Alors, il est où? Toujours en train de traîner là-bas. Si le maître l'a pas eu. Raison de plus de se couiller alors. Ouais. Allez, on accélère. Putain! Quel endroit pourri! Même les moustiques sont taglés ici! Thank you.
vas pas tirer? Alors, si tu comptes pas tirer, ça veut dire que certains intrus sont corrects. On est les pionniers. On tue que les bandits. Les pirates, par contre, ils transforment les intrus en porcs-épics, sans attendre le tribunal de la forêt. Et ils volent, en plus. Comme les bandits. On a grandi ensemble, mais on est différents. Nous, on suit les enseignements du professeur. Mais eux, ils les trahissent. Hey ! Ils ont emmené l'un des vôtres au campement. Il ressemblait pas non plus à un bandit. Ils le laisseront sûrement partir après le tribunal de la forêt. En plus, Olga l'aime bien. Et c'est une monitrice. Je te demande juste de tuer personne au campement. Il y a des femmes et des enfants. Ne leur fais pas de mal, je t'en prie. Tu peux contourner les gardes en passant par la grotte ou en bateau. Mais n'attaque personne. Du marais, vous en faites pas, Bobby.
Répète ça et je t'en colle une. Surveille tes paroles. Mais ils manquent de respect aux mecs qui sont morts là-bas. Bon, quoi qu'il en soit, les pionniers, vous avez merdé. On va devoir partir à l'abordage du train. Ce sera toujours mieux que d'attendre qu'ils attaquent. N'oublie pas la parole du professeur. On se défend. La meilleure défense, c'est l'attaque. Quoi ? Je me souviens pas. Le professeur a dit ça. Le professeur a dit qu'il fallait lire. Alors on a lu ça dans notre livre. Eh ben, si vous avez lu ça dans votre livre, vous pouvez attaquer. Mais sans nous. Le professeur a aussi dit qu'on pouvait pas tuer tout le monde comme ça. Et les faire passer devant le tribunal de la forêt. On n'en attendait pas moins de votre part. Très bien, on se débrouillera. Et on prendra le deuxième intrus sur un poteau quand on le chopera. C'est pas un bandit. Mais il a pas fait de mal aux filles. Il a fait de se défendre. Alors pourquoi le tuer ? Parce que c'est un intrus. Parce qu'il est venu ici comme un bandit, alors il sera pendu comme tel. Et t'avises pas de dire qu'on est des bandits. C'est une menace ? C'est un avertissement. Ça suffit ! Je déclare cette réunion terminée. C'était un endroit sympa. Et maintenant, comme le veut l'hospitalité, partageons le repas. Attendez, combien de temps tu tiens à rester au coin ? Aucune idée. C'est Roman qui décidera. Pourquoi ? C'est juste que je me dis qu'on n'aurait pas dû le punir. C'est pas lui qui a menti, c'était pas grand. Il serait bien distrait. Et il a été puni pour sa bêtise, pas pour avoir menti. On peut pas se permettre de jouer les idiots quand on surveille quelqu'un. Il a eu du bol que le vagabond se contente. Il aurait dû lui trancher la gorge. C'est vrai. Où est parti à ton avis, ce vagabond? Vitya, et voilà le deuxième. Tu ferais mieux de dégager. Pourquoi on personne va pas, vouloir causer maintenant que ton pote a pris la tangente. Il nous a rien fait, en fait. On et croyait qu'il était réglo. Qui va s'occuper du campement si on part tous à sa poursuite? Il a pas paniqué. T'imagines s'il mettre des filles, plein de mots gentils pour Olga. J'avais pas poussé la réflexion jusque-là. Alors on a attendu le tribunal de la forêt. Et puis il s'est enfui pendant que je parlais à Olga. Apprendre ses erreurs, vieux. Elle m'a tenu la jambe pendant longtemps. Ouais, j'apprends. C'est vrai que ça me ferait pas de faire trompette avec elle, mais... En tout cas... Enfin, maintenant qu'il a filé, je suis puni ici. Si les pirates j'espère qu'il se pètera les jambes à l'église. Et Olga vous garde mieux. Ça me fait penser. C'était entièrement de sa faute, elle a même pas été punie. Il leur a bien dit qu'il fallait pas tuer alors tout le monde. Alors j'étais allé le retrouver. Ou m'abattre, ouais. Mais les pirates pensent que protéger leurs amis, comme le professeur le leur avait dit au départ, c'est ça la partie importante. Et que ce qu'il leur a dit à la fin, c'est que... Quoi? C'est quand même la parole du professeur. Bien sûr. Et il faut qu'on fasse comme il l'a dit. Sinon, on deviendra des bandits. Tu crois que les pirates sont déjà devenus des bandits? On peut pas dire qu'ils se défendent beaucoup. Ils ont plutôt tendance à attaquer, tuer et piller. Peut-être bien. On dirait que les moniteurs sont de cet avis, vu qu'ils ont posté des gardes entre notre campement et le leur. Et puis, t'as entendu comment ils parlent? On dirait vraiment des bandits. Eh bien, ce serait bien dommage qu'ils soient devenus des bandits. Depuis le temps qu'on les connaît, c'est quand même nos amis d'enfance, quoi. Les gamins sont des adultes maintenant. Ils ont constitué une communauté totalement autonome dans la forêt. À de multiples reprises, ils ont réussi à se défendre contre des animaux. Et contre des gens encore pires que des animaux. Ils fabriquent même des armes assez complexes, qu'ils développent tout seuls dans leur coin sans me demander conseil. Ils se contentent simplement de me présenter le prototype une fois terminé. En même temps, ils respectent toujours le codex. Même si désormais il a plus valeur de texte sacré à leurs yeux. Tandis qu'ils me considèrent de plus en plus comme une sorte de messie. Je crois que j'en ai assez fait. Il va être temps pour moi de prendre du recul avant que ça aille trop loin. Ils peuvent se débrouiller tout seuls maintenant. Thank you.
Charlie là-dedans? Évidemment qu'il y a ce fantôme. Très bien. Écris. Je serai courageux. Je protégerai mes amis. Je n'embêterai jamais les filles. Je serai courageux. Je protégerai. C'est ça, comme s'il avait la moindre chance. Et pourquoi pas? La simplicité, c'est la clé de la réussite. Bah, va être assidu ailleurs, au lieu de perdre ton temps. Le temps libre, c'est pour se reposer. Tu vas perdre ta voix si tu continues comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien, tu pourrais même devenir muet pour ce que j'en ai à foutre. Pourquoi? Tu sais bien parler, toi. Et je te garantis que t'es pas à la pluie. Ah, la ferme. Reste là, je m'en tape. Tout le monde s'en tape. Tu vas voir. Ça va épater tout le monde quand il se mettra à parler. Allez, vas-y. Qui c'est là-bas?